Yeah, les gens, c'est Tonio. Comment allez-vous? Moi, ça va super. Eh ben, écoutez, toute nouvelle vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est un gros score quand même, donc c'est un 89 pour 13. Donc écoutez, déjà je vous le dis d'entrée, j'ai largement fait mieux sur ce jeu. Mon meilleur ratio, la partie donc, que je voulais vous proposer, c'était donc toujours à la PW, mais c'était un 103 à 1. Donc un plus de 100 de ratio avec la nucléaire et tout ça. J'ai même quasiment fait deux doubles, enfin deux nucléaires dans la partie. Parce que je suis mort à peu près, je crois que j'étais mort vers 65, un truc comme ça, vers 65 kills. J'avais dépassé les 60 kills quand je suis mort une première fois. Donc franchement, j'étais vraiment pas loin de la deuxième nucléaire. Mais le mode studio, comme vous le savez, enfin je pense, pour ceux, enfin pour certains qui filment pas, enfin en continu, c'est-à-dire qu'ils jouent en filmant. Et le mode studio marche une fois sur 10 en guerre de territoire. Alors, je sais pas si c'est que pour la guerre de territoire, étant donné que moi je fais que de la guerre de territoire, tout simplement parce que c'est là que y a le plus d'ennemis. Mais je sais pas, mais toutes mes parties sont pas enregistrées. Donc bon, j'ai quelques parties en réserve pour vous dire, celle-là date d'il y a quasiment un mois, quoi. Franchement, voire même plus, un mois et demi, je dirais, cette partie. Je crois que j'étais. Non, c'était pas celle-là. Je confonds peut-être avec une autre, mais elle date franchement d'il y a quand même longtemps. Tout simplement parce que toutes mes dernières meilleures parties, j'ai fait. Donc pour ça. Donc pour l'instant sur ma chaîne, il n'y a pas eu encore de nucléaire. Alors que pourtant j'en ai déjà fait 5. Dont une en MME sur le compte. De ma copine en fait, donc je lui ai créé un compte parce que elle avait envie de jouer une ou deux fois sur PS3 de tester. Puis elle était tombée sur un accueil complètement pourri et je me suis dit, vas-y, attends, laisse-moi prendre la manette. Franchement, je vais les violer et je les ai violés. Donc j'ai fait un 33 alors qu'elle était que niveau 15. Donc franchement, ça aurait été une super nucléaire. Donc là, vous allez voir, lui, le mec aux pompes là, c'est vraiment lui qui va, on va dire, un petit peu pourrir ma partie. Tout simplement parce que à chaque fois que je vais être en bonne série où je vais pouvoir tenter un truc, tout ça, il va me tuer. Donc bon, pas tout le temps bien sûr, hein, sinon j'aurais quand même pas fait un 89-13, ce qui reste quand même un très bon score, même si je meurs quand même 13 fois. Mais vous allez voir, franchement, je rush beaucoup. D'ailleurs, c'est peut-être un de mes principaux défauts sur ce jeu, c'est que je rush beaucoup trop. En même temps qu'on a la PDW, vraiment son avantage, c'est vraiment son gros chargeur. Donc forcément, on est des gros bourrins, on rentre dans le tas. Et parfois, je vous avouerai que ça me porte préjudice. Voilà, enfin bref. Le but de cette vidéo, donc c'est un petit peu déjà de vous souhaiter la bonne année aussi. Je l'ai pas fait tout simplement parce que ma dernière vidéo, c'était le comment le on va dire le canular là, ou comment faire rager un Français en gros sur Black Ops 2. Et donc ça, c'était une vidéo où j'avais fait le montage avant la nouvelle année, avant 2013. Et donc j'avais pas pu vous souhaiter la bonne année, même si bon, moi je trouve que on va dire souhaiter la bonne année, je trouve ça un peu con quand même, parce que c'est pas parce que je vous souhaiterai la bonne année que vous allez passer une année super. Enfin bref, voilà, bon, c'est. On va dire c'est dans les mœurs et tout ça, enfin on peut souhaiter la bonne année. Enfin bref, voilà, donc je vous souhaite quand même une bonne année 2013. J'espère que ce sera une bonne année pour vous. Travaillez bien à l'école, hein. Voilà. Souvent on résume ça, hein. Quand à chaque fois qu'on vous dit bonne année, c'est et des bonnes notes à l'école. Je sais pas pourquoi, je sais pas si vous, vos parents, enfin peut-être pas vos parents, mais on va dire vos grands-parents, tout ça, quand ils vous souhaitent la bonne année, c'est et de bons résultats à l'école tout le temps. Et puis au vieux, on leur fait la santé direct, c'est le truc, c'est le rituel en gros, c'est la base, quoi, c'est la base. Enfin voilà, donc là, pendant que j'y pense, je vais faire ma dédicace abonnée donc à X Destructor X. Non, attendez, je sais même plus son pseudo. Parce que là, je l'ai pas noté, là, j'ai pas pris de feuille, là, j'ai vraiment fait la rage. D'habitude, je prends toujours un petit bout de papier et je note à peu près ce que je veux dire. Donc c'est Destructor, non, c'est X Destructor 9X, donc 99X, voilà, ça doit être ça. Donc je mettrai de toute façon sa chaîne dans la description. Je mettrai sûrement une annotation, là, je suis désolé d'avoir un peu écorché ton nom. Enfin voilà, donc c'est un abonné, donc je l'ai pas sur le PSN, mais j'ai vu qu'il me laissait pas mal de likes et tout ça depuis 4-5 vidéos. Et il mettait tout le temps 2-3 commentaires. C'est vraiment, vraiment, ça me fait super plaisir quand je vois des personnes comme ça. Donc forcément, je suis obligé de, voilà, on va dire en gros, les récompenser. Donc je lui fais une grosse dédicace à lui, puis un gros bisou, voilà. Donc oui, aussi au passage, je l'avais pas dit, pour la bonne année, je vous fais bien sûr un bisou sur le téton gauche et sur le téton droit, bien entendu, ça c'est la base, quoi. Si on pense à Tonio, direct, il faut penser au bisou sur le téton gauche et le téton droit. Enfin bref, bon, j'arrête mes conneries, donc je continue ce que je disais. Donc aussi, un des sujets que je voulais parler dans cette vidéo, en plus, d'ailleurs après je reviendrai justement sur le mode studio, c'est la meilleure combinaison de killstreak pour faire des massacres. Donc au début, je vous avouerai que les chiens, je suis pas trop fan, mais le gros avantage des chiens, vraiment, c'est que bon, de temps en temps, ça peut être vraiment efficace. Et surtout, c'est que vous pouvez continuer à killer. Et honnêtement, je pense pas vous proposer sur ma chaîne vraiment des parties où je suis dans le Reaper. Même si au final, le Reaper il est beaucoup plus efficace que les chiens. Tout simplement parce que je trouve que c'est un gameplay, je pense que vous serez d'accord avec moi sur ce coup-là, c'est beaucoup plus beau, on va dire qu'on le gameplay, on nie à l'arme, quoi. Voilà. Donc les chiens, tout ça, ça permet de faire des kills, mais en même temps, vous pouvez vous faire des kills à l'arme. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Donc vous allez voir, je vais débloquer, je sais plus combien je débloque de micro-stations.
mais va en avoir pas mal, voilà. Donc aussi, je vous le dis d'avance, la partie va être perdue. Là, vous avez vu, bon, bien sûr que j'ai fait la coupure entre les deux trucs. Donc je vais perdre la partie tout simplement parce que j'étais tout seul. Et pourtant, c'est vraiment pas de pas avoir joué l'objectif. Je crois que je crois qu'à la fin de la partie, j'aurais quand même fait 4 captures et puis 5 défenses. Donc ça fait 9 objectifs joués. Je vais finir quand même avec un total de 8000 points. Donc bon, en plus surtout avec quand même mes killstreaks auront pas mal aidé l'équipe. Et bon, malheureusement, on va perdre, mais bon. On peut pas tout faire non plus tout seul, hein. Franchement, j'aurais jamais pu faire ce score là et jouer encore plus l'objectif tout simplement parce que là, comme je vous l'ai dit, on était en guerre et bah, en guerre il y a quand même pas mal de monde, hein. C'est de la guerre, quoi. Voilà, on peut le dire, c'est en même temps sa force et en même temps son défaut, c'est le nombre de personnes. Donc voilà, donc oui, en revenant, tiens, je voudrais venir, voilà, justement, comme je le disais, donc sur le mode studio. Donc bah, comme je vous l'ai dit, donc j'avais fait bah, j'ai vraiment fait des parties à plus de 100 kills. Donc je vous l'ai dit que j'ai fait à peu près 5 nucléaires, je crois, si je dis pas de conneries. Donc voilà, donc une en MME franchement qui était vraiment épique, hein. Elle devait être en 4 minutes et quelques. Donc bah, c'était à la MP7, donc MP7 silencieux, mais vraiment c'était un truc de ouf. J'étais super content. En plus, j'espérais franchement que le gameplay est rec la partie, parce que bon, c'était de la MME toute simple, hein. Mais au final, non, bah grosse bite dans où vous voulez, hein, dans les fesses, dans la bouche, enfin où vous voulez. Au final, le gameplay n'est pas enregistré, donc. Bon, c'est pas grave, j'espère vous le refaire. Aussi, d'ailleurs, cette vidéo-là ne devait pas être justement cette vidéo-là. Ça devait être en fait un défi d'un abonné que j'ai déjà réussi 3 fois d'ailleurs. Donc, c'était débloquer les chiens uniquement au balistique. D'ailleurs, il y a même une fois où je les ai débloqués 2 fois. Donc, j'avais même mis le groupe de chasse. Donc, en fait, ça faisait les deux. Ça faisait une paire de. Comment ça s'appelle? Comment on dit? Une pierre de coups, voilà, pardon. Et donc, c'était je débloquais les chiens. Lui m'avait demandé les chiens au balistique. Mais en plus, j'avais mis. Donc le groupe de chasse, donc franchement ça faisait les deux plus gros killstreaks. J'avais mis aussi le Blackbird pour m'aider. Enfin voilà. Donc bah, je les ai réussi 3 fois, mais le mode studio n'a rec aucune partie. D'ailleurs une fois, mais comme je vous l'ai dit, je les ai débloqués 2 fois les chiens et les groupes de chasse. Donc franchement j'étais comme un ouf. J'avais fini un score avec plus de 50 kills. Mais au final je me suis fait baiser parce que le mode studio n'a pas rec. Donc je sais pas comment faire. Donc je sais que certains vont me dire, mais pourquoi tu branches pas ton HDPVR ou je sais pas quoi. Donc j'ai Laver Media Game Capture HD, mais je sais pas, quand je suis en composant, bah en fait, comment je pourrais vous dire, je sais pas, je sais pas si c'est moi qui, c'est peut-être psychologique, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'il y a un décalage. Alors c'est peut-être justement, je sais que ceux qui ont Laver Media Game Capture HD vont me dire, oui mais il faut appuyer sur le bouton mode, mais même en appuyant sur le bouton mode, j'ai toujours un peu l'impression que l'image est en décalé de rien du tout, un genre de même pas une demi seconde, mais bon, comme vous savez, sur un jeu comme sur Call of Duty, déjà que la connexion joue beaucoup. Si en plus vous avez un petit retard de, enfin je sais pas, c'est pas tellement en retard, mais en fait ça glisse. Enfin je sais pas comment dire, le gameplay n'est pas pareil, n'est pas aussi fluide. J'ai pas les mêmes déplacements, j'ai pas la même précision. Enfin voilà. D'ailleurs un petit conseil que je peux vous donner vraiment sur les écrans télé justement, c'est de jouer plutôt sur un petit écran. Je m'en suis rendu compte là depuis quelques temps justement, tous les gros scores que j'ai fait c'est plutôt sur des petits écrans. Tout simplement parce que comme vous le savez, un petit écran, on va dire, en gros, enfin l'écran est plus petit. D'ailleurs c'est pas pour rien que les joueurs de compétition jouent sur des écrans plus petits, sur, on va dire, des écrans d'ordinateur plutôt que des gros écrans. Donc je vous conseille vraiment de jouer plutôt dans votre chambre sur un petit écran que sur on va dire bah, l'écran de votre salon, hein, un truc 102 cm, un truc énorme, quoi. Enfin voilà, bref, jouez plutôt dans votre chambre posé, en plus vous serez sûrement plus à l'aise. Enfin voilà, donc c'était un petit conseil. Donc je sais qu'il y en a certains qui le savaient, donc d'autres non. Donc voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, vraiment c'est un conseil. Si vous avez le choix entre une grosse télé et une petite télé, on va dire les grosses télé, vraiment c'est pas fait pour le gaming, c'est plutôt fait, on va dire, pour regarder des films, quoi, et tout ça. Enfin bref, voilà. Donc j'espère quand même que ce gameplay vous fera plaisir. Au passage, oui, j'avais oublié de le dire, je sais que la vidéo là, comme je vous l'ai dit, Canular, vous a énormément plu. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas dépassé les 2000 vues sur une de mes vidéos. Comme ça. Donc je pense vous en reproposer, mais il faut savoir aussi que c'est super compliqué de proposer des vidéos comme ça, enfin des vidéos Canular. Tout simplement parce que bah, les gens maintenant ils le savent, hein, quand souvent c'est oh vas-y tu vas passer l'autre coup. Alors je l'ai essayé justement parce qu'il faut savoir quand même que j'ai passé pas mal de temps pour faire rien que cette vidéo. Il y avait un mec à un moment donné qui pensait que j'étais de la Play Comedy Club. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ah oui, aussi il y a une vidéo peut-être que je vous proposerai. En fait c'était un 1v1 au sniper, donc je faisais aussi ma voix de gamin, tout ça. Et bah, en fait au sniper, le mec avait 2 ennemis de ratio. Il me dit ouais non mais t'inquiète, je vais t'exposer au sniper. Il faut savoir que moi je suis vraiment une grosse bite au sniper, hein. Je suis vraiment une grosse bite et le mec, je l'ai carrément éclaté, la même rage kit. Donc peut-être, dites-moi dans les commentaires si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je vous la proposerai. Donc en gros ce sera encore une vidéo un peu canular, tout ça, où le mec je le fais un peu rager, mais elle est moins amusante que l'autre, tout simplement parce qu'il était assez jeune, hein, il devait avoir tous 13 ans.
Donc bon, j'ai 18 ans, donc je peux dire quand même qu'une personne de 12-13 ans, c'est pas péjoratif du tout. Mais il rageait pas trop, hein, franchement, comme quoi, hein, c'est souvent les mecs. D'ailleurs, le gameplay se termine. Donc écoutez, j'ai même pas le temps de finir ce que je vous dis. D'ailleurs, là, je mettrai sûrement une image, mais peut-être que je vous la proposerai. Donc dites-moi dans les commentaires si le gameplay vous intéresse. Enfin voilà, donc écoutez, c'était Tonio, je vous fais un gros bisou sur le téton gauche et sur le téton droit, et je vous dis à la prochaine. Allez, enjoy les potes, bisous.